Venez, venez, vous êtes allés voir. C'est Tata. C'est Tata. Ah, j'ai trop mou. Oh, il va avoir vraiment très mal. Pouche. Les filles, quoi? J'ai une idée. Ça va être pas mal hein, pour Tata Habiboucha. Venez, venez, vous allez voir. On arrive. On arrive, allez, viens, on arrive. Alors, je vais vous expliquer. Tata Habiboucha, il nous fait la tête comme ça. Oui, c'est vrai, bien. Hein? Oui. Alors, j'ai une idée. Comme ça. Ça va être marrant. On va faire semblant, on est gentil avec Tata Habiboucha. Et j'ai préparé des gâteaux. On va mettre du piment vraiment très 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 fort. Hein. C'est le plus fort. Hein. On va bien rigoler. On va le mettre dans les gâteaux. On va faire semblant, on arrive. Tiens, on est gentil, d'accord? Comme ça, après, il parle plus, c'est fini. Après, on n'a plus mal à la tête. Ouais, ça va être trop rigolo. On va oui. bien rigoler. On va bien rigoler, maman. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. En plus, ça a l'air bon. Comme ça, il va, on est sûr qu'il va manger ça. Prends un petit peu. Ah, j'ai trop mis. Oh, il va avoir vraiment très mal. Pouche. Bah, c'est bien, on va bien rigoler comme ça. Oui. Alors, on va le mettre ici. On va le mettre ici. Ici. Il va venir là. Tata Habiboucha, d'accord? Tu peux l'appeler, ma chérie? Tata, on a une surprise. On a des bons gâteaux. Il y a quoi? Pourquoi tu m'appelles? Parce qu'il y a des bons gâteaux qu'on t'a fait. Des bons gâteaux? Pour moi? Oui. Ah oui? Il y en a deux pour moi. Vous? Pour les cam-cam. Vous? Et moi, et toi. Et pour toi. Pour moi? Oui. Ben oui. Mais vous savez pas cuisiner, vous faites des gâteaux pour moi. T'as d'accord. Tiens, ma chérie. Ça, c'est pour toi. Pourquoi? Moi, je peux pas choisir le nôtre. Parce que celui-là, c'est le meilleur. C'est le meilleur celui-là avec les petits abricots. Ben oui, tiens, tiens ma chérie. C'est quoi dessus là? Merci. C'est à l'abricot. À l'abricot avec un truc spécial comme du sucre. Oui, c'est ah spécial. Oui, toi aussi. Oui. Tu vas bien. D'accord, et bien pour une fois c'est gentil. Bon c'est... appétit. Merci. Rose.
bouge pas, Cam Cam, d'accord? Je reviens, je vais appeler ma soeur. Massilia? Oui. Viens, ma chérie, viens. J'ai une idée dans la tête. C'est bien. On va bien rigoler. On va faire un petit prank encore à Tata Habiboucha. Ça, c'est le scotch double face. Tu sais ce que attends, je vais faire? Ouais. Je vais couper. Je vais le mettre ici, sur la table. Je vais coller le bol. On va mettre de la farine et on va appeler mon Tata Habiboucha. On va dire qu'on n'arrive pas à lever le bol. Et vu qu'il fait trop la porte, il va la prendre en pleine tête. On va bien rigoler. Ah, qu'est-ce que tu penses? C'est pas mal du tout, hein? Oh, pas mal du tout. On va bien rigoler. Elle va avoir la farine dans les yeux. Elle va crier. C'est parti? Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Pas bien rigoler. Bien. Allez. Comme ça, il bouge pas. C'est parti. On va bien rigoler. On va mettre la farine. Oui. Mettre un petit peu de farine quand même. Et on va mettre beaucoup de farine. Comme ça, il va avoir ça en pleine tête. Comme il va rajouter du sel. Et du sucre. On va prendre du sucre dans la tête. C'est bon, ça suffit la farine. Allez, c'est parti. On va l'appeler. Oh. Tu peux l'appeler, s'il te plaît? C'est Tata! C'est Tata! C'est Tata Habiboucha! C'est Tata. Qui me le dérange pendant ma répétition pour The Voice? C'est pas possible! Comment tu veux que je gagne pour les The Voice? Avec des petits moustiques comme toi? On a besoin de toi. Besoin de moi? Pourquoi? Ça. Oups, oups, oulala, ça refoule là. Allez, viens. Viens, s'il te plaît, j'arrive pas à lever le bol. Eh oui. Dès que tu fais des petites natures. N'importe. Oui. Je me prépare pour le coup longtemps. Là, j'étais en pleine révision. J'arrive pas. Mais oui, c'est trop dur. Pourquoi il est bloqué comme ça? La forte. Allez, partez d'ici, vous m'avez énervé, regardez, les grandes catastrophes.